Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Fais le petit Big Flo et Oli là, c'est allez, ça que t'allais faire. Allez, on va se faire ça. Et tout le monde va chanter. Lequel, vous le voyez, je mets mon micro dommage. En mode. Chanteur. Non, hein, mais. Voilà. Donc Big Flo et Oli, dommage. Ah ah. Ah ouais, je l'adore. C'est peut-être la dernière fois. Oui, il prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, il lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Yasmine a une belle voix, et c'est qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Ah, il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle est surtout le corps détache de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Ah, elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Elle aurait dû y aller. Elle aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Faut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Faut mieux vivre avec des remords, c'est ça le secret. Ah, le secret, le secret, le secret. Il aurait dû y aller. Il aurait dû le faire, crois-moi. Tous dit assez dommage, c'était la dernière fois. Du bruit pour Gianni là. Ouais. Merci beaucoup. Bravo, baby Gianni, on te veut dans notre équipe. Ouais. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.